Alors, on connaissait la gym, hein, ça, classique. Mais pour ceux qui trouvent ça un petit peu trop physique, il y a autre chose et ça s'appelle l'anti-gym. Eh oui. Qu'est-ce que c'est que l'anti-gym? Alors, au début, je me suis dit, tiens, c'est un pied de nez à la gym. Oui. Et puis après, en fait, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. En fait, c'est une kinésithérapeute qui s'appelle Thérèse Bertera qui a mis ça au point dans les années 70. Et c'est en fait pas un pied de nez, mais plutôt un contre-pied par rapport à la gymnastique traditionnelle. Je pense aussi que ça évolue en fonction de... quand on est jeune, on va dans les salles de sport, on a besoin de se défouler, de pousser de la fonte, de faire les cours de fitness tous ensemble. Jeune d'ailleurs, quand vous dites jeune. Oui, mais parce que souvent, je pense qu'on recherche autre chose au bout d'un moment. D'accord. On a envie de plus de sérénité, on a moins envie de se faire mal parce qu'on crée des traumatismes au niveau du corps et des traumatismes physiques, mais aussi des traumatismes psychiques. Tout ça fait un tout. Et l'anti-gymnastique permet en fait de recoller les morceaux. C'est une façon, c'est un concept original qui permet en fait de solliciter des muscles en douceur, des muscles que parfois on n'a jamais sollicités. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer. C'est la semaine anti-gymnastique. Alors ça se fait à Marseille, mais ça se fait aussi à Paris, Strasbourg, d'accord, Dijon, Biarritz. Bon, bref, voilà. Donc je me dis. Mais c'est vrai que c'est étonnant parce qu'on n'en a jamais. Enfin, je ne sais pas. Mais non, vous, c'est pour ça que je crois que c'est un nouveau déjà concept. Entendu parler de l'anti-gym et depuis les années 70. Vous depuis disiez, les années 70, donc, une kinésithérapeute française qui a mis ça au point. Donc je me suis dit, tiens, c'est assez confidentiel encore. Hein. C'est confidentiel et c'est pour ça que je me dis pourquoi pas faire un coup c'est de projecteur très bien, bah oui, et je vous propose pas de découvrir ça en images et bien sûr en musique douce. Ça ressemble à quoi finalement? Un petit peu des étirements, de la relaxation, du yoga, c'est un peu tout ça mélangé? Oui, enfin voilà, c'est un mélange de pas mal de pratiques qu'a condensé donc Thérèse Bertera. Vous avez vu, c'est assez tranquille, c'est on doux. Bien. On s'est rendu donc. Il y avait des doigts de pied, il y avait des orteils détendus là. Voilà. Donc ça, c'est Dominique Canal en fait qui gère, qui est praticienne donc certifiée parce qu'il faut que ce soit un praticien certifié qui prodigue les cours. Ça se passe dans une pièce, vous avez vu, c'est clair. Il y a une trentaine de mètres carrés. C'est des petits groupes, c'est entre 6 et 8 personnes. Et en fait, donc Dominique, qui est la praticienne donc, à la rue Consola, c'est pas quelque chose de montré, c'est quelque chose de verbal. C'est-à-dire qu'elle va vous expliquer ce qu'elle attend de vous, elle va vous expliquer le mouvement qui est à faire et c'est à vous de le faire. Alors une séance peut se faire de plusieurs façons. Elle va vous demander de mettre en place une posture qui peut être relativement simple quand on l'écoute, mais quand on va le faire dans la pratique, ça va être très difficile. Et elle va vous expliquer le pourquoi. Ça peut être, là, il y a un travail qui se fait beaucoup sur les pieds, par exemple, ouais, et ça va être d'écarter les orteils. Mmh. C'est un truc qu'on ne fait jamais. Je veux dire, vous allez dire, pourquoi on écarte les orteils? Il n'y a aucun intérêt. Et pourtant, tout ça, en fait, on prend le corps dans sa globalité. On ne fait pas ça morceau par morceau, comme ça arrive dans les salles de sport, où on va travailler les abdos, les fessiers. Non, là, c'est le corps entier. C'est un moyen en fait d'harmoniser le corps et l'esprit, ce qui est à la base, c'est ça le sport, c'est un corps sain dans un esprit sain. Donc là, ça permet de pouvoir recoller les morceaux. Alors, à qui ça s'adresse et quels sont les bienfaits de cette pratique? On écoute Dominique Canal. Ce travail, c'est vraiment un travail de redécouverte de son corps ou de découverte tout court. On apprend à libérer les tensions, mais on découvre des choses formidables aussi, des petits muscles qu'on ne connaissait pas, qu'on ne soupçonnait pas. On n'imaginait pas l'existence de certaines parties de son corps. Et à partir du moment où on les redécouvre, c'est assez joyeux comme travail. Et on s'aperçoit qu'on peut en découvrir, on découvre de plus en plus de possibilités à l'intérieur de soi. Ça donne beaucoup de force, beaucoup d'assurance aussi. C'est une réduction du stress qui est douce. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas la sensation de devoir déployer une énergie physique énorme.
pour remettre tout le corps en place. Au contraire, c'est des tout petits mouvements assez simples que tout le monde peut faire et que, voilà, qui s'adaptent aussi au corps de chacun. Et c'est une pratique qui peut se faire à tous les âges. Il y a des adolescentes qui viennent, il y a des personnes qui ont plus de 80 ans, il y a des gens de 20, 30, 40, 50. Voilà, donc c'est un travail qui fait du bien à tout âge parce qu'à tout âge, notre corps peut changer. Donc vous l'avez entendu, ça se pratique à tout âge. Et puis, ça s'adapte aussi. On n'est pas obligé d'être très sportif. Ça s'adapte vraiment à toutes les morphologies, à toutes les capacités musculaires de chacun. Donc c'est vraiment un travail intéressant sur soi. Et comme Dominique expliquait aussi, elle guide en fait. Elle a le rôle de guide dans cette pratique. Et on est aussi dans des mouvements qui ne sont pas répétitifs comme on a l'habitude d'avoir dans les salles de sport traditionnelles. On libère la respiration et puis après chaque mouvement, on se pose. Donc on est plus détendu, ça sert à détendre. On écoute son corps. Et d'ailleurs, parmi les bienfaits, il y a aussi la confiance en soi. Enfin, il y a beaucoup de bienfaits là-dedans. Moi, je trouvais ça intéressant. C'est une super alternative au sport que l'on imagine traditionnel. Alors bien sûr, si vous voulez avoir des tablettes de chocolat, ça ne sera pas avec l'anti-gymnastique qu'il faudra s'orienter. Mais au contraire, si on a envie de développer autre chose que le muscle, mais qu'on a envie d'être à l'écoute, voilà, je trouve que c'est un bon moyen, c'est une belle pratique que l'on peut essayer. Donc c'est la semaine anti-gymnastique. Mais ça dure toute l'année. Dure toute l'année, bien évidemment. Et c'est des cours qui durent 1h30 et on s'inscrit en général dans un trimestre pour qu'on ait vraiment les bienfaits. D'accord, bah très bien. Écoutez, faisons de l'anti-gymnastique, pourquoi pas, pour se préparer à la Juris Cup. Le mot me plaît. Mentalement, non ? Pas d'anti-voile, mais effectivement. Pas d'anti-voile, mais d'anti-gymnastique.